Thank you.
Thank you.
Thank you.
Salut. Bah, c'était marrant. Ça fait juste du bruit, hein, les coups de marteau en vrai, Bichette, hein. C'est pas foufou, en vrai comme sensation. Ça fait juste du bruit. Bon, j'arrête la perf ici, en fait. Parce que... Ah, je suis pas très très forte, c'est ça. J'arrête ici, parce que il me reste plus que deux cordes sur la guitare. Et là, y a plus rien. Genre, il n'y a plus de cordes de basse. Et c'est dommage, parce qu'en fait, c'est les basses qui font tout le travail. Et je me dis, en vrai, ça peut être le moment de recycler un peu les vieilles cordes graves qui subsistent souvent dans les jeux de cordes de guitare électrique. Pour moi, c'est surtout les aigus qui s'en vont les premières. Et du coup, voilà. Mais en vrai, bah, à part péter la peinture, ce genre de choses, la guitare, elle est... Bon, j'ai peut-être cloué quelques trucs dessus. À part ça, en vrai, la guitare, elle est plutôt, elle est utilisable, hein. Bah, en vrai, oui, non, 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 moi aussi, je me posais la question. C'est juste, bah, t'as l'impression de taper un petit mur, tu vois. Enfin, je veux dire, ça fait du bruit, c'est résistant et c'est très, très, très sonore. Et en vrai, sinon, non, enfin, c'est pas ouf, en vrai, c'est pas incroyable comme sensation. Et d'ailleurs, j'ai pas dit bonjour à Unico Bro, je sais pas si tu es encore dans le coin. Merci d'être passé. Non, premier degré, en fait, il se passe pas grand-chose, hein, sur un truc comme ça. Mais c'était marrant à faire. C'est une performance, ça faisait un moment que je voulais la faire. Et d'essayer tout ça. La prochaine, ça sera plutôt de faire ça dans la rue, mais pas avec le marteau. Donner des coups de pied dans la guitare et la traîner pendant une vingtaine de minutes, un truc comme ça. Hein. Et coucou, en tout cas, merci. Merci d'être là. Mais voilà, par contre, effectivement, j'ai bien dénudé les cordes. Ouais, je les ai bien dénudées, quoi. Mais attends, c'est plus. C'est la partie de la tête où j'ai raclé le marteau un moment dessus. Et ça a montré le bronze, vraiment. Je sais pas si on voit là-dessus, non. Après, le truc, c'est qu'en atelier, si vous êtes dans la région parisienne, hein, venez aux ateliers que j'organise au Malakwin, à Malakoff. On fait ce genre de truc, on détruit des trucs. Mais voilà, effectivement, là, j'avais bien dénudé la corde en raclant le marteau, en raclant le marteau dessus. Mais c'est marrant à essayer. Ah oui, attends. Je vais vous montrer un peu le setup quand même. Mais effectivement, je fais ça grâce à l'ampli. C'est le Mini Crush. Voilà, on le voit là. Celui-ci là. Il est vraiment très bien. Hein. Et c'est celui-là que j'ai utilisé là pour trimballer cette guitare partout en donnant des coups de pied dedans. Et l'idée, c'est de l'accrocher à la hanche. Et ensuite de balancer le son dessus. Mais c'est effectivement un. Le mini crush est vraiment très bien. Ensuite, il y avait quoi? Je commence à débrancher. Donc la guitare, en fait, elle était branchée à cette pédale-là qui est... merde, j'ai oublié la référence. C'est... Ah merde, je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est une overdrive basse. C'est juste que je l'ai post-catté et j'ai fait un petit dessin de Mother 3 dessus. J'ai fait Lucas avec Klaus et j'ai fait le serpent autour. Mais c'est quoi comme pédale? C'est parce que je voulais pas refiler de l'argent à Behringer. Parce que j'avais une super.
Il y a une Behringer que j'aimais bien, qui était la BOD400, et en fait, c'est un clone d'une de Boss. Boss clone BOD400. Du coup, je me souviens plus du modèle que c'est. Oh là 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 là. Voilà, The Ultimate Behringer Clone List. BOD400. C'est, voilà, la Boss ODB3, c'est. Voilà, la Boss ODB3. En fait, l'ampli Orange, il était vraiment pas très fort en termes de volume sonore. C'est juste parce que j'enregistre avec un Avantone. Non, c'est pas un Avantone. J'oublie toutes mes références, moi. Un RE20 de Electro Voice, et en fait, il prend vachement le grave, alors que l'ampli Orange, il n'y a aucune grave qui sort. Mais par contre, le RE20, du coup, je l'ai mis, c'est pour ça que j'ai enchaîné directement avec la voix. J'ai rien changé au preset du RE20 là, dans lequel je parle. Mais en gros, il capte vachement bien le son. Du coup, il y avait l'ODB. Quel bordel! L'ODB3 de Boss, et ensuite, j'avais la Mercury 7 de Meris qui balançait du coup dans l'ampli. La Mercury 7, du coup, c'est une réverb digitale qui crée vraiment des gros, gros, gros espaces. Et salut Noargue. On vient de finir le live là parce que j'ai vraiment terminé la guitare, quoi. Là, il reste plus que deux cordes et il y aura la rediff. Mais vraiment. Voilà, c'était ça. Du coup, la guitare dans l'ODB. Je vais réussir à la garder, celle-là. L'ODB3 en tête, qui est vraiment super parce que ça permet de booster les graves. Et ce qui permet, du coup, d'avoir une distorsion qui évite de perdre tout son spectre, en fait. Et d'être juste d'avoir juste un spectre médium et aigu. Et à la base, c'est une pédale pour la basse, mais en vrai, elle sonne super bien pour la guitare. Je pense qu'elle sonne mieux pour la guitare que pour la basse, en vrai. Et avec la reverb derrière, et ensuite l'amplification du petit ampli Orange qui a tendance à saturer extrêmement vite, et c'est pour ça qu'il est intéressant. Et du coup, il compresse tout. Et il est incapable de balancer exactement toute la réverbe et tout. Et j'adore la définition qu'il a en fait quand il est surchargé le petit mini crush. Enfin voilà, du coup, cette guitare aura bien pris cher aujourd'hui. Et j'ai l'intention qu'elle continue à prendre cher parce que pour moi, tant que les micros sont sur la guitare, il n'y a pas de raison qu'on continue pas de l'exploiter comme ça. Et la guitare, du coup, si vous posez la question de ce que c'est une Lexibook que j'ai achetée à 20 balles sur le Bon Coin, un truc comme ça. Voilà, du coup, c'est vraiment un truc premier prix, mais qui fait le café en fait pour faire ce genre de performance, c'est fun quoi. En tout cas, moi je me suis bien amusé avec. J'aimerais bien la prochaine fois essayer une lime. Je pense que. La lime, ça peut être fun à gratter le bois sous tension. Un petit peu comme fait Mariachi, Nina Garcia. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion un jour de voir ses lives. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de voir ses lives et ça me rend triste. J'aimerais vraiment absolument voir ses lives. Et en vrai, du coup, je crois qu'elle joue avec une lime sur une Fender, je crois, comme ça. Sursaturé, et c'est incroyable le son qui en sort. Incroyable. Voilà, bah du coup, ma connerie a été faite. Je pense que je vais arrêter le live incessamment sous peu. J'avais juste envie de faire ça. Ça vient parce que, je sais pas, si, voilà, j'ai fait une petite vidéo un peu bébête où je plantais un clou. Dans la guitare pour rajouter une sixième corde. Je sais pas si vous l'avez vu, cette petite vidéo. J'ai dû la sortir il y a 2-3 jours, un truc comme ça. Et sur YouTube,
Les gens sont un peu affolés dans une blague où ils me reportent pour terrorisme sur guitare, un truc comme ça. Et ils sont beaucoup, beaucoup à faire ça. Et du coup, bah, je m'étais dit, bah, pourquoi pas continuer? Hop. Voilà, comme ça, cette corde, elle est bloquée. Comme quoi, il suffit juste de faire ça, hein. La lutherie, ça sert à rien en vrai, hein. Faut juste. Voilà. Sécurisé. Il n'y a plus que celui-ci là. Là, il faudrait que je réussisse à l'enlever, celui que j'ai mis dans le manche. Voilà. Comme on dit, comme dit la chanson, savez-vous planter des clous à la mode de chez nous? Est-ce que je vais réussir à l'enlever en faisant ça? Se trouve, je vais me blesser. Et. Me faudrait un tire-clou, mais j'en ai pas là. Parce que là, du coup, j'ai un clou en plein milieu du manche. Mais quelle idée aussi! Quelle idée d'avoir fait ça! Ok, bon bah je vais essayer de m'en débrouiller en dehors du live. Merci d'avoir été là, d'avoir assisté à cette petite performance. J'espère que ça vous a au moins fait un peu marrer ou que la noise était bonne en vrai. J'ai l'impression qu'il y avait des chouettes sons, donc enfin, je suis pas mécontente du résultat. Voilà, donc dites-moi, qu'est-ce que je fais moi de mon côté? Pouet, pouet, pouet. Ah bah, je vais vous envoyer chez Samaï. Voilà, on va faire ça. Merci en tout cas d'avoir été là. Au revoir tout le monde. C'était fun. Bisous, à bientôt. Ciao.